Intersport à Béthune, partenaire du Judo Club de Rackingham, Yannick Lelon, responsable des clubs et des associations. Déjà dépassé parce que le coude il est pris ici et ici, voilà. Là il l'a, je suis sûr, et là il l'a, là il l'a, et ça, hein? Voilà, d'accord, lui il est bien droit, pas trop, et toi un peu plus comme ça, et voilà, d'accord. Ensuite, hop, on se replace derrière. Il revient derrière, il passe pas de l'autre côté. Il va venir
chercher le revers, voilà, ici. Et il va tirer en reculant sa jambe gauche. Et là, là je suis emporté parce que là, il veut me faire tomber. Donc moi, je décale cette jambe extérieure et extérieure. Cette chevrante, pareil. Hey mon poignet, de la main vers le dos de la main vers le haut, hein, toujours. Tous les après-midi. Maintenant, ici, tout de suite, cette main, elle va venir coiffer, tourner. Laisse-toi. Voilà. Ici. Et voyez là, ici. Et là, je vais décaler. Voilà. Et là, je descends. Voilà. Et lui, il descend, mais moi, je reste droit. Au contraire, là, et là, il a la clé. Et gros, c'est bien contrôlé. Nous, on n'appuie pas. On descend. Ah, regarde, regarde. Ah, ouais, on fait juste la pression. Voilà. Ok. Je fais pas ça, hein. Hein, je fais pas ça. Hein. Ouais, d'accord, ouais, justement. Là, je le maintiens sur moi. Ok. Mais sa jambe. Mais. Hé, je suis comme ça. Sérieux. D'accord. Hein. On avance. Voilà, il a sa jambe avancée. Mais avant qu'il étrangle, s'il arrive à saisir les deux mains, c'est fini pour moi. Là. Il faut avant. Donc, ici. Et j'ai baissé, la tête, je rentre. Et là, ce qui est important, c'est de contrôler ici, à l'épaule. Et là, pile haut. Regardez, là, il est contrôlé. Et j'ai du contact. En même temps, j'ai changé ma main. Je retrouve côté inéri. Et la main, elle était comme ça. Quand je vais tourner, et j'ai changé ma main. Voilà, j'ai glissé. Là, j'appuie. Maintenant, Ayazu, toujours Ayazu, ça c'est important. Pas comme ça, comme ça. Parce que comme ça, je vais avoir plus de force pour le faire tomber. Je vais reculer cette jambe. Et, non. Et là, il a Uze Shiki Te Katame. Les techniques, c'est Te Katame. Hein? Là, ici, il a avancé cette jambe. Contrôle, surtout contrôle. Et là, ici. Maintenant, je recule cette jambe. Tsugihashi. Et j'ai reculé à gauche et je mets en Tsugihashi. Ce qui fait qu'il est déséquilibré. Ici, en avançant, là, ici, je vais frapper ta jambe avancée. Ta jambe avancée. Ta jambe doit être ici. Voilà. Ici. Je frappe. Allez! Et là, j'écarte. Laisse aller. Si, j'essaie. Non. Voilà. Relâche-toi. Voilà. Ici. Et j'écarte. Maintenant, je vais saisir mon poignet. Je vais lui tourner un peu. Et la clé, c'est là. Le pivot, regardez. Là, s'il se met sur l'avant du pied, c'est qu'il a la clé. Et la clé, c'est pas ça. Là, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien. Et le coude, il est pris dans le coude. Et là, je ne le lâche pas. Je vais reculer la jambe. Et je ne l'ai pas encore lâché. Et là, il est toujours contrôlé. Maintenant. Et après, j'avance. Maintenant, je contrôle, il a avancé, tu vois, il a avancé sa jambe, tu peux rien avancer. Voilà, j'ai avancé et je reviens. Attends.
Là, je me mets déjà en déséquilibre. Maintenant, je percute. Et on revoit Hayazu, Yazu. J'encoche. Changer la position de la main, déséquilibre. Et là, je suis un peu moins. Il faut lancer la jambe à l'intérieur. Hey! Direct. J'avance, mais j'y vais directement. Et là, quand il attaque, quand il avance directement, je recule cette jambe. Et là, je coiffe, vous voyez? Je coiffe, je vais monter sur moi. C'est moi qui le monte. Pour rentrer ici, tourner. Et là, c'est côté inérique, pareil. Et là, si je le fais bien, il ramène sa jambe. Ayazu, Yazu, ici, vers son oreille, et direct, regarde, il se met en garde, voilà, il va frapper, plus, aïe, et je lance en même temps, je fais un Mai Taisamaki, et regardez quand je fais, je tombe, et je lance avec mon corps, c'est pas que le coup de poing, c'est avec tout le corps, c'est Tai. Après, je vais revenir, l'épaule est derrière la nuque. Vous avez vu là, je vais le faire placer là. Et là, je vais appuyer. Et avec la nuque, je lui baisse avec l'épaule derrière la nuque, je lui baisse la tête. Et ce qui fait que là, avec l'avant-bras, je le prends aussi. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ici, regardez cette épaule. Elle est là. Regardez. Là, voilà. Là, là, regardez. Moi, je suis tranquille. Hein. Et là, il est mal là. Hein. Et ici. Moi, j'appuie ici. Voilà. Hop. Il essaye de défendre. Voilà. Il frappe. Je le laisse tomber. Sans le tenir. Et je refais un tour. Après, il se relève. Voilà, bon. Hop, bon. Bien. Et là, il va faire ici, reculer. Ici. Et là, j'ai tiré. Je tourne son. Ça, c'est important. Je le tourne. Même tournant. Sugihashi et vers l'eau. Et après, je vous mets. Je ne tourne pas complètement le corps. Hein? Ici, hop. Je tourne. Et là, un, deux. D'accord? Mais ce qui est important, c'est de bien lui tourner le pied. Okay. Il avance et il va frapper ici. Ici. À la hanche. Au niveau de la hanche. Donc il s'écarte un peu, moi je me mets un peu. Et là, quand il va frapper, moi, il faut que j'avance mon pied. Voilà. J'ai chassé. En avançant le pied et avec le bras. Il n'y a pas que le bras, c'est avec le corps. Ce qui fait que là, il est un peu là. Je pivote sur le pied. Allez, mon pied, il n'a pas bougé. Hey! Hey!
toujours pareil. Tu lèves un peu la main, saisis côté inéri, et là, côté inéri. Maintenant, recul de la jambe gauche pour le tsugihashi. Reculez bien la bonne jambe. Non. Là, ici, avance. Arrêtez, frappez, avancez. Et là, c'est uppercut aussi. Là, j'ai des équilibres. Cette main en dessous, pas au-dessus, en dessous. Voilà. Maintenant, des équilibres, tsugihashi, tournez, waki. Et que le petit doigt, la lame, elle est dans l'autre sens. D'accord ? Hein ? Attends qu'il abandonne parce qu'il a la clé. Le couteau, et comment je le prends ? Et après, je vais lui retourner dans le sens de la lame vers moi. Directement dans son cou. Je vais directement dans le sens. Poser le vieux ici. Je vais y aller. On est tout prêt. Deux, dégainer, avancer, frapper. Hop. Voilà. Et hop. Voilà. C'est bon. Là. Hey. Ici. Hop. Là, je vais en...
Ah, on va dire que le coude a raté. Non, se penche avant. Lève ta main comme ça. Moi j'avance et au moment qu'il attaque, c'est très chaud et la main ici. Et là, voilà. Maintenant, hop, je prends et je fais quelque chose. On peut remercier les intervenants.